جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي إن فكر جامد Non seulement chacun se prétend comme étant Mahdi, mais chacun désigne son Mahdi. Et c'est désolant, mais oui, certes, il y a des gens qui incarnent cette station de Mahdi, parce que aussi l'imam al-Mahdi, radiallahu ta'ala anhu, a plusieurs apparences, a plusieurs silhouettes. Et que c'est des silhouettes à travers lesquels il se manifeste, c'est-à-dire à travers des gens, il y a sa station qui se manifeste, oui, mais eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils ne sont pas le grand Mahdi qui est attendu. Alors le grand imam Mahdi qui est attendu n'est pas encore arrivé, qu'on le veuille ou non. Les preuves sont irréfutables sur le fait qu'il ne soit pas encore arrivé. Et c'est connu. Il va s'appeler Muhammad, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père s'appelle Abdullah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère s'appelle Amina, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est de Quraysh, parce que c'est un petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même un petit-fils de Sayyidina Hassan radiallahu ta'ala. Mais rien que ceci, si on le regarde, on voit que tous ceux-là qui, soit qu'ils le prétendent, ou en tout cas qu'on les désigne, ne le sont pas. Certes, oui, certains parmi eux, je parle bien des grands saints, des grands éminents saints, parmi eux, sont véritablement des mahdis, d'accord, mais c'est l'incarnation de la station du mahdi, mais non le mahdi lui-même. Eh oui, Cheikh Omar radiallahu ta'ala lui-même s'est attribué cette station, il dit que oui, moi, j'ai incarné la station de Mahdi, le moment Mahdi, même si je ne suis pas l'être du Mahdi en soi. Voilà. Parce que les Khulafa al-Rashidun, c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Khulafa al-Rashidun al-Mahdiyuna. Voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alaykum bi sunnati wa sunnat khulafa'i. Ar-Rashiduna al-Mahdiyuna min ba'di. C'est ça. Je vous recommande ma sunna. Et la sunna, ma tradition, est la tradition de mes khalifs. C'est-à-dire que les Ar-Rashiduna, les droits. Al-Mahdiyuna, les bien guidés, les bien dirigés. Min ba'di, après moi. Les quatre grands khalifs. On en a parlé tout à l'heure, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Othman, Sayyidina Ali, radiyallahu anhum, sont ceux qu'on appelle Al-Khulafa Al-Rashidun, Al-Mahdiyuna. Donc ce sont des khalifs qui ont la station, qui ont endossé la parure, la tenue et la station du Mahdi. C'est-à-dire qu'ils sont bien dirigés. Quand on devient un Mahdi, on est quelqu'un qui est bien dirigé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fait rien à part ce qui est un influx de la part d'Allah. Tout ce qu'il fait, il est dans la rectitude, dans la droiture. Et cette inspiration divine qui le pousse, cet influx qui le pousse à faire, est toujours dans la droiture et conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses. On parle, on dit « Ah, Al-Khulafa al-Rashidun al-Mahdiyuna, on fait ça. » Un des khalifs bien guidé a fait ça, donc c'est une sunna. Et ça devient indiscutable. Il y a une chose, par exemple, prenons un exemple. Le fait de faire l'appel à la prière le vendredi, bien avant le Zohr, ça c'est Sayyidina Ousmane radiallahu anhu qui l'a instauré.
Mais lorsqu'il l'a instauré, tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que ça devient une sunna. On n'en discute pas. Si c'était quelqu'un d'autre, ce serait discutable. Mais parce que Sidna Ousmane radiallahu anhu fait partie de ces khalifs bien dirigés, il n'y a pas de discussion là-dessus. Oui. En fait, cette station-là, c'est une station quand même exceptionnelle et rarissime. Mais l'imam Mahdi, le Mahdi en tant que tel, lui-même, c'est une évidence qu'il n'est pas encore arrivé. Parce que rien que ce que nous venons de dire là, il va s'appeler Mohammed comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Son père, on ne parle pas de son grand-père, son père, direct va s'appeler Abdullah. Sa mère va s'appeler Amina et il est de Quraysh, petit-fils direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Sayyidina Hassan radhiyallahu anhu. Mais sincèrement, montrez-moi avec toute objectivité qui incarne cela. Mais il y a même pas, on n'a même pas besoin de creuser trop longtemps. Maintenant, le comble du comble du comble, c'est Dajjal. Al-Masih Dajjal, il est là. Le hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, rapporté par Tamim Ad-Dari, radiallahu ta'ala anhu, ce grand seigneur, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la seule personne dont tous les hadiths remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et continuent à arriver sur lui. Il est unique dans cela. Tous les autres compagnons, radiallahu anhu, les chaînes de transmission, ils arrivent jusqu'à dire que le compagnon a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou a fait, etc. Mais Tamim Ad-Dari, radiallahu ta'ala anhu, Sayyidina Tamim Ad-Dari, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Tamim Ad-Dari m'a raconté. Et le hadith va arriver jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui monte dans le minbar pour dire Tamim Ad-Dari m'a raconté, radiallahu anhu. Oui. Ils étaient allés dans une île, ils étaient perdus dans l'océan Indien, et ils ont vu, plutôt Pacifique, et ils ont vu, ou plutôt l'océan Indien, et ils ont vu une île, et ils ont vu une grotte dedans. Ils sont atterrés là-bas, et ils ont vu Dajjal en personne. Qui est attaché. Et avec l'animal avec lequel, qu'on appelle Al-Jassas, c'est-à-dire l'agent secret, son animal là, son agent secret, qui le devance et qui est spécifique aussi. On ne va pas s'arrêter là. Et il l'a vu. Et Dajjal sera détaché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce que je vous disais de Masih Dajjal, Tamim Ad-Dari me l'a confirmé. Lui-même, il l'a vu. Dajjal lui-même a dit que. Bientôt donc, je vais sortir. Mais le bientôt de Dajjal. Mais vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous parlait de Masih Dajjal, on sait qu'il n'est pas encore là. Hein? Parce que Masih Dajjal, le jour où il sera là, personne ne le racontera à personne d'autre. Parce que tout le monde saura qu'il est là. On n'a même pas besoin d'interprétation pour savoir qu'il est là. Parce que Masih Dajjal, le jour où il sera là, il sera. Sa fitna sera. Au grand jour. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous parlait de Masih Dajjal, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait que, mais imaginez-vous, regardez, pour voir combien est la fitna, la grande épreuve et la grande turbulence que va amener sur terre Masih Dajjal, le jour où il sera là et que personne ne le racontera à personne d'autre, ou bien on n'aura besoin d'aucune autre interprétation, il dit que dans la tombe, on va éprouver les gens d'une épreuve proche de celle de Masih Dajjal. Vous voyez? Il n'a pas dit que l'épreuve de Masih Dajjal sera proche de celle de la tombe, non. Il dit que dans la tombe, l'épreuve, on éprouvera aux gens d'une épreuve proche à celle de Masih Dajjal.
lui, le jour où il sera là, sincèrement, personne ne le racontera à personne. Et personne ne... Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, disait, il sera là. Et c'est imminent. S'il vous trouve là, s'il vient, et que moi je suis là avec vous, il n'y a pas de souci. Je vais vous préserver de lui, de ses maux. Donc, je vais me préoccuper de son cas. Là, ce sera clair. Mais, si toutefois il est là, alors que je ne suis plus de ce bas monde, c'est-à-dire exotériquement, je vous recommande les 9 premiers versets de la sourate Al-Kahf. Celui qui le répète, qui le lit souvent, sera préservé de la fitna de Masihou Dajjal. Mais imaginez que le professeur Assam, lorsqu'il nous parlait de Masihou Dajjal, c'était imminent. Il le voyait comme étant quelque chose d'imminent. Allah lui-même a dit « Iqtarabat as-sa'a ». L'heure, c'est-à-dire la fin des temps, s'approche. Wal shaqqa al-qamar, et la lune s'est fendue. C'est-à-dire le fait que le prophète Sam ait fendu la lune, parce que c'est un grand miracle, ça, c'est un des grands signes de la fin des temps. L'arrivée même du prophète Sam dans ce bas monde, de manière exotérique, est un grand signe de la fin des temps. Mais est-ce que cela veut dire que depuis lors, on est là? Depuis lors, on est là. La fin des temps n'est pas encore arrivée. Hein? Il y aura encore beaucoup de temps à vivre. Ça, rassurez-vous. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est demain, après-demain, dans 5 ans, dans 20 ans, c'est pas ça. La fin des temps, c'est dans très longtemps. Ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé du tout. Il y a beaucoup d'autres signes qui ne sont pas encore arrivés. Certes, il y a beaucoup de signes que le professeur Sal avait dit que si vous voyez ceci, sachez que la fin des temps s'approche, oui, d'accord. Mais il y a encore beaucoup d'autres qui restent. Et les plus grands restent. Les plus grands signes restent à venir. Dont l'arrivée même de Masihou Dajjal. C'est vrai, il peut venir du jour au lendemain. Mais il va rester ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il va rester ici 7 jours. Le premier jour sera aussi long que 40 ans. Excusez-moi. Il dit qu'il va rester ici 40 jours. Voilà. Le premier jour sera aussi long qu'une année. Voilà, c'est ça. Le deuxième jour sera aussi long qu'un mois. Le troisième jour sera aussi long qu'une semaine. Et les autres jours, ce seront comme les autres jours. C'est un hadith qui est dans le Sahih de l'Imam Muslim. Rahimahullah. Eh bien, est-ce que nous, on a encore vécu une journée qui a duré une année? Parce que les compagnons de l'âme l'ont posé la question. En ce jour-là qu'on va vivre et qui va durer une année, comment on va faire un mois? Est-ce qu'on va prier selon la durée? Il dit non. Il dit, au contraire, calculez les horaires de vos prières. Calculez-les et priez comme si vous avez vécu un an, parce que ça va durer un an. C'est un jour. Au lieu de faire 24 heures, ça va durer un an. Donc, nous, on a... C'est pour ça qu'il faut... Mais nous, sincèrement, on n'a pas encore vécu ça, hein, nous. Et l'imam Mahdi est contemporain de ce Masihou Dajjal-là. Et avec Sayyidina Isa al-Sassam qui va descendre. Ah, et qui est sur les ailes des anges, il va descendre. Et là, quand il va arriver, et l'imam Mahdi va diriger la prière, mais c'est le fait que le Masihou Dajjal va le voir, le fait qu'il le voit, c'est ça qui parce qu'il a un seul œil, lui. Et c'est ce qui va fondre l'œil, il va fondre l'œil et il va décéder. Mais ça, on ne l'a pas encore vécu. Que personne ne nous fait, n'essaie de nous faire croire que cet événement-là a existé ou bien, soit. Mais et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé de lui. Si vous dites que oui, non, en fait, vous n'avez rien compris, c'est parce que aussi,
celui qui dit cela, on va lui dire, non, sincèrement, nous, on préfère s'en tenir aux propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout simplement vous qui n'avez rien compris. On n'a pas encore vécu ça. Voilà. Certains vont dire que oui, en fait, Dajjal, c'est un système, le système. C'est, en fait, c'est l'impérialisme, l'œil, c'est la télévision, etc., ou le caméra, mais non, mais c'est pas sérieux, ça. Ce n'est pas sérieux, ça. Le professeur, là, Salama, nous a dit, et ce jour-là, il était très content. Parce que, Tamim Ad-Dari, radiallahu, lui a dit que Dajjal lui a confié que le jour où il va arriver, il va partir dans toutes les villes du monde. Dans toutes les villes, dans toutes les contrées du monde, il va y aller pour semer sa turbulence. À part la Mecque et Médine, il ne pourrait pas y accéder parce que devant ces villes-là, il y aura des anges avec leur sabre qui vont le défendre. C'est pour ça que le professeur était tellement content ce jour-là, il est allé monter dans le minbar, il a frappé avec ses pieds en disant « Hadhihi Taiba, Hadhihi Taiba, Hadhihi Taiba ». Voici cette ville qui est douce, bonne, pure. C'est cette ville-là. Et c'est lui qui l'a purifiée, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous voyez ça, on n'a pas encore vu. Ça, c'est des choses réelles. C'est des choses matérielles. Ce ne sont pas des choses qui sont qui ressortent de l'interprétation. Non. Si Nathalie Adderlam a vu avec d'une vue oculaire Al-Masih Dajjal attaché, et il lui a posé des questions sur la nature. Est-ce que la péninsule arabique a commencé à avoir des dattiers? Le prophète, le dernier prophète est arrivé? Et il s'est soulagé en disant, ah, donc je vais bientôt sortir. Et c'est bientôt là. Depuis lors, on nous en parle. Mais c'est pour ça que c'est là aussi, c'est grave de... il faut comprendre que parfois, on peut voir une chose qu'on dit que c'est proche. En fait, c'est proche pour nous, c'est-à-dire pas pour nous, pour un saint qui dit que c'est proche pour lui, mais dans la durée réelle de l'humanité, les gens ne vont pas le percevoir ainsi, comme le jour de la résurrection. Le Coran nous a toujours dit que c'est proche. Le professeur Lassalle nous a dit que c'est proche. Mais depuis lors, on est là. On est là depuis lors. Cheikh Tidiane radiallahu ta'ala nous a dit qu'il est arrivé à la fin des temps. Et que c'est le saint de la fin des temps. C'est proche. Mais on est encore toujours là. Et on sera encore toujours là, c'est-à-dire l'humanité. Pendant un bon moment, on sera encore toujours là. Parce que eux, ce qu'ils disent, que c'est proche, ça c'est la réalité des choses. Parce que tout ce qui arrive est proche en réalité. Et ça, c'est une proximité. Et il y a aussi, c'est là où on voit ce qu'on appelle la relativité. Cette relativité est réelle. On peut penser, on peut voir que un grand saint pour voir quelque chose qui est vraiment proche, alors que dans la réalité, chez le commun, c'est lointain. Allah même nous a fait part de cette chose-là en nous disant innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Le jour de la résurrection, là, la fin des temps, eux, ils le voient comme étant lointain, mais nous, on le voit très proche. On le voit très proche. Cette relativité-là, il faudrait le comprendre. C'est pour cela que c'est aussi dangereux pour un saint de prévenir l'avenir. De dire que oui, telle chose va se passer dans le temps. Parce que même s'il le voit, souvent il sera soumis au démenti de la nature. C'est-à-dire de la nature, non? Parce que du temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposé les choses. Et pourtant, il a vu la réalité. Hein?
que ça va se passer, mais quand? Dans combien de temps? Dans combien de temps? Où? Comment? Tout cela pourrait lui échapper. Et pourtant, lui, il l'a vu avec certitude. Mais sauf que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, parce qu'il y a cette relativité. C'est quelque chose qu'on peut voir très proche, alors que c'est lointain. Oui. Et le professeur Aslama, c'est pas parce qu'il ne savait pas qu'on ne serait pas là. Il le sait. Il le sait. Il sait, parce que lui-même a dit, il connaît la science des premiers et des derniers. C'est des hadiths très authentiques. Et il dit, posez-moi des questions. C'est dans le Sahih de l'Imam Bukhari. Tout ce que vous pouvez me poser jusqu'à la fin des temps, je vais vous répondre. Sayyidina Huzayfa radhiyallahu anhu l'a dit. Le professeur Sam nous a parlé et nous a enseigné jusqu'à ce que. Mais il y a des événements qui se passent et qu'on s'en rappelle. Parce que le professeur Sam nous en avait parlé. Et il nous a dit ce qui existe. Et ce qui existera jusqu'à la fin des temps. Donc lui, il connaît tout ceci. Il le connaît de manière claire, évidente, nette. Mais sauf qu'il nous donne un exemple, il nous précise que ça, cette relativité-là existe. Et il nous a parlé, il nous a donné l'exemple de Mahdi, de Masih al-Dajjal, de la redescente de Sayyidina Isa alayhi salam, etc. Sayyidina Isa alayhi salam va redescendre sur terre. Il ne va pas naître à nouveau. Voilà. Et tout ça, ce sont des réalités qu'il faudrait. En fait, c'est une même façon d'insulter la conscience des gens que de leur faire croire que tous ces événements-là sont déjà passés, qu'il ne faut s'attendre plus jamais à rien. Ça, c'est. En fait, c'est une structure des gens. Qu'Allah vous préserve. Shahadat haqqin, laysa fihi zawa'idu. بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد